Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vous refais un petit tuto avec les dies de chez Globeland. Vous prenez deux feuilles de 30-30. Votre massicot. Vous allez couper 4 bandes de 12 cm sur toute la longueur. Plus trop mon truc. Hein. Ça dépend les papiers, c'est dingue ça quand même. Bon. Vous venez ranger votre couteau, gardez l'outil pour pli et vous allez me faire, dans le sens de la longueur, des plis de 2 cm. On va les coller les unes contre les autres. Le petit morceau de... Alors, pour être droit, on va servir de notre massicot. On va glisser ça là, mettre celui-là. Et tout contre, voilà, comme ça on est sûr qu'on est droit. On se met avant le pli. Hein. Voilà, comme ça. Celui-là est bien mis. On appuie. On va nettoyer. Oups là. On va nettoyer tout de suite la colle avant de mettre la colle sur notre massicot. Hein. J'espère que je ne vous ai pas trop bougé au fait. Je n'ai même pas regardé. Maintenant, il faut former les plis. On va découper un morceau de
un cercle. Moi, c'est du quoi? C'est un inch. Deux cercles pour un dessus et un dessous. On ferme notre accordéon. Donc, on va le coller sur l'onglet là. Un petit peu trop arroché celui-là. Hop, on va sortir un peu. Voilà. On fait chauffer la colle. Et on va mettre en forme notre rosace. Autrement, on va essayer de mettre la colle dessus. Et former notre vase. Voilà, c'est chaud, hein? On va répartir un peu les plis. Et on va mettre un petit cercle par-dessus. Voilà. Oh, du coup, un peu sur le côté, hein. Heureusement que c'est le dos. Bon, on va en refaire un. Alors maintenant, on va aller rechercher nos petites rosaces qu'on avait fait précédemment et on va décorer et on va faire notre décoration. Alors, comment je vais faire? Est-ce que j'en mets 5 ou j'en mets 4? Je vais mettre ça comme ça et ici je mettrai peut-être un mot. Celle-là je la prends pas. Je mets de la colle là.
celui-là et là. La une, celle-ci là, donc ici, celle-ci ici, donc un petit peu là. Tiens pas celle-là. Et si là. Ah ben ça tient, c'est bien, c'est formidable. Donc je vous disais, je vais mettre mon petit mot là. Et je vais mettre une petite accroche. Et puis ça me fait une petite déco. Maintenant, à vous de réaliser selon votre goût. Et puis ça peut être à offrir. Une petite déco, home déco, on peut appeler ça. Voilà, ça y est, je vous lâche. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.